lire le livre de Psaume, chapitre 84. Psaume, chapitre 84. Psaume, chapitre 84. Nous lisons la parole du Seigneur. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après le parvis de l'Éternel. Amen. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Amen. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Amen. Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Amen. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Amen. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant leur marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Amen. Le Seigneur seul éclaire vos chemins. Sa parole est Merci encore pour nos enfants, mon bénévole Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié encore, Père.
ta bonté à la voix de chacun de nos frères. Louange, mon Dieu, et gloire à toi. Alors nous t'avons ainsi prié, remercié, Père Tébissant, pour le chant des cantiques, mon Dieu, mes pères, pour les psaumes et pour l'adoration, Seigneur Jésus. Oui, Père, nous t'en sommes tous. Homme de Père, reconnaissant pour cela, Père. Sois béni encore ce soir, mon Dieu, mes Seigneur. Alors nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur de ce Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons dire, comme David l'a dit aussi, que mieux vaut un jour d'entrer par lui que mille années. Amen. Nous sommes dans la joie de pouvoir être là dans sa maison. C'est cela aussi ce que David a aussi exprimé dans sa bouche aussi en disant que je suis dans la joie quand on est dit, alors dans la maison de l'Éternel. Nous remercions encore notre Dieu pour la grâce de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui, de voir ce souffle de vie qui nous anime, afin que nous puissions élever nos voix et glorifier avec le fruit de par sa grâce qui nous a permis d'être encore parmi les vivants de notre. C'est toujours un jour de grâce que nous pouvons aussi nous retrouver ensemble, et réalisant aussi que nous parlons, nous avons aussi des frères et des sœurs, et aussi le même désir aussi, c'est de pouvoir espérer de marcher avec le Seigneur, et surtout aussi de pouvoir accomplir ce que Dieu a eu à pouvoir destiner pour chacun d'eux. Nous prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce, de pouvoir également se révéler à chacun de nous, afin de pouvoir aussi nous montrer les choses qui nous concernent, pour que nous puissions être aussi dans l'assurance, de manière à ce que le Seigneur, notre Dieu, puisse aussi apporter cela dans notre vie. Chaque enfant de Dieu sur la terre, Dieu qui l'a placé, l'a fait pour un but. Et nous avons réellement aussi, chacun de nous, un but à pouvoir atteindre. Et comme les saintes Écritures le montrent, le Seigneur l'a dit lui-même aussi dans les saintes Écritures que dans le rouleau du livre, il y a vraiment des sons de moi. Il a dit, je suis sorti de Dieu et je retourne aussi à Dieu. Et nous sommes réellement aussi de la même lignée. Et si il était question de lui dans les saintes Écritures, il doit aussi être question aussi de nous dans les saintes Écritures. Nous devons être conscients de ce que Dieu a eu à pouvoir nous destiner, à pouvoir accomplir et aussi donné comme parole à notre endroit. Ainsi, lorsque nous marchons dans ce monde et que nous nous approchons à ces dieux, nous savons en réalité ce que nous allons faire et c'est donc pour lequel le Seigneur nous a placés sur la terre. Vous posez la question, on doit savoir, mais en fait, qu'est-ce qu'il en est en réalité? Lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, comme il savait en réalité que dans les saintes Écritures, il était donc écrit de lui, il savait en réalité ce qui était en rapport avec ce qu'il devait arriver à pouvoir faire. Et cela l'a fortifié effectivement dans la marche dans laquelle il était et aussi l'assurance effectivement que aussi longtemps, et ces choses qui ont été destiné effectivement à ce qu'il puisse réellement les accomplir, n'ont pas été, rien pouvait arriver à pouvoir arriver. Parce que certainement la mort ne pouvait pas l'emporter aussi longtemps qu'il n'avait pas accompli ce que Dieu avait donc destiné. Il était tellement sûr sur la terre parce qu'il savait en réalité ce qu'il était. C'est toujours le but et l'objectif de Dieu, que chaque fils et chaque fille de Dieu soit vraiment quelqu'un de sûr, qui a la certitude et l'assurance dans son âme. Et lorsqu'il est sur la terre, effectivement, il doit réellement réaliser que dans sa vie à lui, il n'y a rien qui peut être du hasard. Parce que le hasard n'existe pas pour un fils de Dieu. Les gens qui sont dans le monde avec lesquels nous vivons, c'est pourquoi ils jouent le jeu de hasard. C'est pourquoi ils font des choses, moi j'ai fait ça, ça peut arriver. Mais en fait, le fils de Dieu, l'enfant de Dieu,
doit être conscient d'abord de ce qu'il est et ce qu'il doit arriver à pouvoir faire effectivement. C'est pourquoi la révélation de Dieu est quelque chose de très important. Il faut que chacun de nous puisse arriver à pouvoir se tenir dans la présence du Seigneur afin que le Seigneur se révèle aussi à lui pour qu'il sache en réalité qu'il est. Je pense que lorsque nous arrivons à ce point-là, il n'y a plus de murmure effectivement dans la vie d'un croyant. Il n'y a plus non plus de plainte effectivement dans la vie d'un croyant. Ce qu'il y a simplement, c'est la reconnaissance à la croix de Dieu. Dans le livre de Thessaloniciens, nous lisons avec vous 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, nous lisons ici à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5. Nous lisons Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Et la grâce et la paix vous soient donc données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet comme cela est juste. Parce que votre foi fait des grands progrès. Et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous nous glorifions, nous, de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Amen. Précieux Soba, Maître béni, nous voulons te dire vraiment merci. Que ton nom soit béni encore pour ce moment merveilleux, glorieux, patibissant, précieux. D'avoir la grâce de te rassembler encore dans ta maison, je vous prie, Père. Tu as vu la joie dans nos cœurs, à travers les chants et les cantiques que nous avons chantés, parce qu'il n'y a pas un autre Dieu qui nous a réjoui le cœur comme toi. Il n'y a pas un autre pour qu'il voit seulement nous réjouir ainsi, Père. Parce que toi, tu as fait des grandes choses pour nous. Nous voulons te dire encore merci, Père, et notre cœur se réjouit de t'avoir, toi, comme sauveur, comme Dieu, comme rédempteur, comme Père, au bénéfice du Seigneur. Merci encore pour ce temps et le moment que nous avons à ta présence, Père. Maintenant, nous avons voulu ta parole à toi, que tu encore nous éclairer, nous parler, Père. Nous avons vraiment soif de toi. Béni soit ton Seigneur. Je te laisse bien, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au pauvre. Donc, nous voyons comment dans les sept Éphésiens, et comment est-ce que Dieu voit ces croyants qui étaient donc à Thessalonique, effectivement, quand vous pouvez un peu lire et l'entendre, parce que c'est l'apôtre Paul qui écrit, il adresse cette situation aussi de la part de ceux qui étaient ses collaborateurs, effectivement, l'œuvre, et il exprime effectivement chose d'une manière claire et ce regard effectivement que cet homme de Dieu pose réellement sur le peuple de Dieu, c'est pas le regard de Paul, c'est le regard de Dieu. Donc Dieu au travers de Paul pose ce regard parce que nous l'avons entendu en fait, c'est cet homme qui écrit en fait la chose et qui manifeste ce qui se passe et qui se ressent au milieu de ce peuple-là. Mais c'est écrit dans les Saintes Écritures. Et nous savons que cela, ce n'était pas l'homme Paul, c'était donc le Saint-Esprit, c'était donc Dieu dans Paul, effectivement, donnant effectivement ce qu'il voyait au travers de son serviteur, ce qu'il voyait dans son peuple, effectivement, qui se trouvait là, effectivement, à Thessalonique, effectivement, et voyant. Parce que ce que nous sommes de Dieu et ce qui se passe en nous de Dieu, doit se manifester aussi à l'extérieur. Amen. Dans la vie de Christ et dans chacun de nous, effectivement, on ne force rien, on vit en fait cette vie. Et les gens qui sont autour de nous, effectivement, voient effectivement que ce qui se passe, effectivement, c'est que
il y a quelque chose de différent qui sort de la personne. C'est ce que l'apôtre Paul, effectivement, pouvait voir qui sautait, effectivement, de ces âmes qui avaient réellement reçu la semence. Voyez-vous, mon frère et ma soeur, pour que nous produisions réellement ce qui vient de Dieu, il faut que la semence, effectivement, soit de Dieu. Parce que si la semence n'est pas de Dieu, vous allez semer et vous notez ce que vous avez semé. N'est-ce pas vrai? Et quand on sème réellement la véritable semence, eh bien, le fruit qui doit sortir, effectivement, c'est la semence que vous avez semé. Et quand vous remarquez très bien avec les Thessaloniciens, il est dit, je pense cela, je pense soit au chapitre 1 ou chapitre 2, je crois que je vais trouver avec vous, hein, non, chapitre 1, je pense. Donc, premier épître des Thessaloniciens, en fait, de Paul, c'est au chapitre 2, voilà, c'est la réplique, voilà, hein, il montre effectivement comment cela est pour que nous puissions réellement aussi voir avec et combien cela a été aussi important. Et l'état d'esprit, effectivement, et la vision que Dieu avait effectivement à l'égard de ce qui était donc acte des ennemis, comme cet homme de Dieu pouvait donc l'écrire. Alors oui, chapitre 2, premier épître de Paul, chapitre 2, verset 1, dit, vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Et après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons donc pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. Amen. Et puis, verset suivant, effectivement, nous pouvons lire avec vous, effectivement, je vais lire avec vous, verset de la fin. Vous vous rappelez, frère, notre travail, notre peine, nuit et jour, à l'œuvre pour être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous, c'est un père et pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Donc effectivement, c'était des hommes qui avaient reçu réellement la parole de Dieu, la véritable parole, et qui l'avait cru, et comme il vient de dire, effectivement, on pouvait voir que cette parole était agissante dans le cœur de ceux qui l'avaient réellement reçu. Et puisqu'elle était agissante, effectivement, ceux qui étaient autour d'eux pouvaient voir réellement que Dieu était vraiment à l'œuvre et dans le cœur de cette personne, de cette personne-là. On voyait que ces gens qui étaient attachés à des idoles, à des choses effectivement de néant, leur vie progressivement prenait une autre allure. Ils n'étaient plus comme ils étaient effectivement auparavant, mais après simplement avoir entendu la parole qu'ils avaient entendue, cette parole avait la puissance d'agir effectivement puisqu'ils l'ont reçue. Non avec des raisonnements des âmes, mais comme étant la parole de Dieu, effectivement, puisque elle était véritablement. C'était en fait un homme du nom de Paul, au travers lequel, effectivement, Dieu parlait. Ce qui est merveilleux avec ces âmes, au travers lesquelles la parole de Dieu pouvait avoir son effet, ce que quand Paul parlait, effectivement, il ne voyait pas Paul. Parce que s'ils voyaient Paul, ils disaient, mais cet homme, il raconte des choses. Mais en fait, ils allaient dans une autre dimension. En regardant Paul, effectivement, ils voyaient celui qui avait envoyé Paul. Amen. Et quand on voit celui qui... Parce que comment cela se faisait, effectivement? Parce que lui-même, Paul, était tellement dans celui qu'il avait envoyé, à tel point que quand il s'était né, c'était pas lui, mais c'était celui qui l'avait envoyé. Amen. Et le peuple veut voir, effectivement, que celui qui avait envoyé Paul, au travail de Paul. Alors il pouvait croire la parole de Dieu et la recevoir effectivement comme étant cette parole de Dieu effectivement qui assistait effectivement en étant.
Voyez-vous, ce qui est extraordinairement merveilleux, c'est de pouvoir voir que la parole de Dieu ne change pas et Dieu non plus ne change pas. Vous vous souvenez de la prière, effectivement, que le Seigneur avait adressée dans Jean au chapitre 17, que nous aimons beaucoup. Il a dit quelque chose que nous devons toujours arriver à pouvoir prêter attention. Il répétait toujours, parce que c'était la chose la plus importante pour lui, pour Dieu. Il dit, mais je leur ai donné la parole que tu m'avais donnée. Vous venez? Et ils l'ont reçu. Ils ont cru réellement que je suis sorti de toi. Mais puisqu'ils ont reçu cette parole, je l'ai donnée, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde les a haïs. Vous vous souvenez? Amen. Il dit, mais parce qu'ils ont reçu la parole que tu m'as donnée, de la même manière, effectivement, que moi qui ai reçu cette parole, parce que si vous remarquez très bien, effectivement, dans les saintes écritures, le Seigneur lui-même s'y fait savoir que la parole que je vous donne, je l'ai reçue aussi de mon Père. Vous vous souvenez? Car le livre de Jean, cela est écrit ainsi. Donc, il a montré effectivement comment est-ce que la parole de Dieu agit dans la personne qui la reçoit, parce que Dieu devait devenir un homme. Et la parole de Dieu t'amène la clé dans l'homme, effectivement. Et quand c'est la parole pure et véritable de Dieu que nous recevons, alors certainement, le vase dans lequel la parole est reçue, et traverse effectivement, ce sont compliqués. Regardez, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, je pense dans le livre de Luc, je pense, je vais pas regarder, je suppose que c'est cela, en fait, il y en a un peu de Dieu, je sais qu'il regarde, je pense qu'il en a parlé quand on parle de la partie de l'écriture, je pense que c'est cela, il faisait savoir, effectivement, ce qui allait se passer pour qu'il allait se retrouver, effectivement, à Jérusalem, avec ses disciples, effectivement. Oui. Là, c'est donc le livre de Luc au chapitre 9. Ici, Luc chapitre 9. Verset 22 dit. Luc 9, 22 dit. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc, il disait effectivement à ses disciples ce qu'il a dit. Vous vous souvenez, effectivement, et lorsque, je crois que c'était dans Matthieu quelque part, quand il parlait avec ses disciples qui ont été avec lui, qui l'ont vu, effectivement, comment il agissait et la parole qu'il a portée, effectivement, alors il dit, comme vous venez de dire, effectivement, que du coup, que le Fils de l'homme sera livré entre les mains de païens, à Jérusalem, effectivement, on lui fera souffrir, ceci et cela. C'est Pierre qui a dit, mais à Dieu ne plaît, ça ne puisse pas t'arriver. Il dit, non, mais arrière de moi, Satan. Parce que les pensées que tu as ne sont pas les pensées du Christ, sont les pensées de l'homme. Donc effectivement, Pierre ne veut pas admettre clairement qu'un tel homme comme lui, avec la parole qu'il avait, et comment Dieu a dit effectivement, qu'il soit haï, qu'il soit rejeté, ce n'est pas possible de penser à cela, parce que mais dans notre pays, effectivement, où nous croyons effectivement les choses pareilles, et puis Dieu va réellement te protéger, pour ça ne peut pas arriver. Et il dit non. Le Fils de l'homme doit souffrir. En fait, il montrait réellement, en réalité, la nature d'un véritable Fils de Dieu. C'est lui en qui la parole de Dieu a été réellement reçue. Parce que vous vous souvenez que lui, le Seigneur, dans les saintes écritures, il dit que voici mon élu. Vous vous souvenez encore? Je choisis donc, effectivement, qu'il est parlé de lui, effectivement, comme étant cet élu. Et de lui aussi, nous sommes aussi des élus de Dieu. Donc effectivement, la parole de Dieu est pardon à lui, puisqu'il est la parole comme l'Écriture le fait savoir. Et nous remarquons en réalité que même avant qu'il entre en scène, la parole de Dieu nous a dit que
C'est un homme de douleur habitué à la souffrance. C'est vrai, nous lisons l'Écriture en fait. Quelqu'un dont on peut penser qu'il est habitué, qu'il doit souffrir, c'est quelqu'un qui fait du mal quand même. C'est normal que quand quelqu'un est un voleur, quelqu'un est un meurtrier, évidemment, chaque fois il vole les choses des gens, c'est normal qu'on lui jette un pied, qu'on l'arrête, qu'on l'enferme en prison. Donc c'est ça, un homme qui a de douleur. Mais quelqu'un qui ne fait rien aux gens, comment voulez-vous qu'il soit un homme de douleur habitué à la souffrance? Il faut d'abord, il faut que ce soit un meurtrier, monsieur. Quelqu'un qui ne fait rien, il est là, simplement, il dit bonjour, monsieur, comment allez-vous? Donne l'exemple. Est-ce que tu vas le frapper pour dire bonjour? Non. Plutôt dire, ah bonjour, comment ça va? Quelqu'un qui vient de, qui nettoie chez toi, qui arrange les choses maintenant, qui te fait du bien, est-ce que tu vas le frapper? Mais ici, le livre nous dit que homme de douleur habitué à la souffrance. Pourquoi un tel homme, déjà avant qu'il ait fait, qu'il vienne ensemble de il soit connu comme étant un homme de douleur, qu'il soit toujours continuellement dans la souffrance? Pourquoi devrait-il souffrir? Parce que, vous dites, oh, mais frère, parce que la croix, mais ce n'était pas encore la croix, monsieur. Parce qu'ici, on dit, homme de douleur habitué à la souffrance. Donc, il passait à la souffrance tout au long de sa vie. Jusqu'à ce qu'il arrive aussi même à la croix. La question qu'on peut se poser, mais pourquoi on l'appelait lui, homme de douleur habitué à la souffrance? Parce que quand il est venu au monde, qu'est-ce qu'il nous a dit? Luc chapitre 2, vous allez effectivement, je pense que c'était une chose merveilleuse. Luc au chapitre 2, vous connaissez l'Écriture, je pense que c'est cela. Luc chapitre 2, verset 8 dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs de veille de la nuit pour garder leur troupeau, et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande tristesse. Non, d'une grande joie. C'est que aujourd'hui, dans la vie de la ville, il vous aide un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Mais quel parallèle, effectivement, on nous montre que celui qui est né, qui est le sujet d'une grande joie, mais on lui dit effectivement que c'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Si on me parle de Barabbas, je comprendrais, messieurs. Barabbas est un voleur et un meurtrier. C'est normal. D'ailleurs, même ce païen, Pilate, effectivement, il a regardé, il dit, mais je ne trouve rien. Rien, il ne trouve rien de mal à lui. Mais là-bas, derrière le rideau, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le coin d'épine, on l'a frappé. Qu'est-ce qu'il a fait? Posez-vous la question. A-t-il insulté les chefs militaires là-bas? Il n'a rien dit de mal. Même devant le souverain sacrificateur, on lui a donné un soufflet ici. Gifle assez fort, effectivement, qu'il a secoué. Il pose la question, mais pourquoi m'as-tu frappé? Vous vous souvenez, non? Amen. Donc, même la personne qui l'a frappé, il commence à se poser la question. Il dit, qu'est-ce que j'ai dit de mal pour que tu me frappes? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc, on lui a vraiment donné une gifle forte, effectivement. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc, là aussi, on le flagellait, on lui mettait une grande épine. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? On n'avait pas encore amené la croix, messieurs. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal pour qu'il soit même au milieu même de ceux-là qui, vous vous souvenez encore, dans les Saintes Écritures, quand on lit la parole de Dieu. Partout, oui, parce qu'effectivement, le pharisien, le sadducéen le suivait. Lui, il ne le suivait pas. Vous avez remarqué cela? Ce sont eux qui le suivaient partout. Il y a l'exemple flagrant, et celui-ci quand même. Vous direz, mais c'est un tableau que j'ai toujours aimé. Alors, mais la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Vous vous souvenez? Eh bien, on l'a surprise tellement si loin. Lui, il était loin. Accomplissant, il n'avait rien fait aux gens. Il n'a même pas dit, mais quand vous avez un tel cas, venez me voir. Il n'a jamais dit ça. Amen. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée soeur. Heureux de savoir que tu es là.
Alors regardez bien. Et là, on l'a mené dans ce coin. Il était dans ce coin-là. Seulement, simplement, faisant ce qu'il était censé voir faire pour ceux qui étaient venus sur la terre. Eux, ils étaient loin. Il n'a pas posé de problème. Et ils ont surpris la femme là-bas, comme nous l'avons entendu. Ben, si vous croyez que vous êtes dans votre droit, faites le travail. Amen. Hein, oui. Puisque vous avez les pierres, achevez là où vous êtes avec elles. Et puis c'est tout. Lui, le pauvre de son coin, il faisait l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Et ils ont quitté là-bas, si loin, monsieur. Avec les pierres, effectivement. Hein? Et la femme, lui, pour le. Vous dites, mais où est-ce que Jésus? Où est-il, effectivement? Mais il vous a pas. Mais il était dans son coin. Et ils sont jusqu'à là. Ah, nous avons trouvé, il est là-bas. On l'a trouvé, il était là, il était en train de s'occuper des choses. Et puis c'est eux-mêmes qui sont venus là. Pourquoi sont-ils venus là? Parce qu'on voulait chercher moyen pour l'accuser. Alors que les pauvres n'avaient pas cherché les problèmes avec eux. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Amen. Alléluia. Yeah. Et voilà. Ils sont venus. Et regardez toujours une chose qui est très importante. Ce que vous devez observer, c'est d'abord la manière dont les choses se passent. Et vers qui, en fait? Parce que ce genre ne ferait que les suivre, vous souvenez? Mais maintenant, vers la personne vers laquelle ils s'adressent, ils vont. Comment cette personne réagit à l'endroit de ceux qui lui cherchent le problème? Est-ce que vous regardez? Amen. Ils sont venus avec la dame, ils avaient leur droit. J'aime souvent ce tableau. Amen. C'est là qu'on voit Dieu tellement si beau. Amen. Oui, messieurs. Moïse nous a dit. Il n'a pas dit le contraire. Mais puisqu'il vous a dit. Donc j'aime cet homme de Galilée, frère. Amen. Il est merveilleux. Amen. Si nous pouvons simplement lui être soumis, notre vie se met tout à l'heure. Amen. Il dit, mais Moïse nous a dit qu'une de telle femme, il faut la lapider. Il n'a pas dit que c'était faux. Non. Alors, maintenant, c'est eux qui disent. Parce qu'ils ont dit, Moïse nous a dit. Il n'a pas dit non. Moïse n'a pas dit non, il n'a rien dit. Et puis, c'est eux qui ajoutent. Et toi? Et toi? Donc, on implique maintenant le pauvre. Il dit, mais vous avez dit, Moïse, mais fais ce qu'il vous a dit. Moi, je n'entre pas dans vos problèmes. Il a dit que nous avons les pieds à dire, mais accomplissez, moi je m'occupe de ce livre. Mais il dit, mais et toi maintenant, donc vous m'impliquez maintenant. Ah, c'est là que vous avez connu d'abord. Vous avez réglé vos problèmes là-bas si loin. Et ici, maintenant, et toi, quel es-tu? Ah, c'est là, mon frère et ma soeur, quand Dieu vous a destiné sur la terre, il y a une tâche. Amen. Ne précipitez rien. Amen. Laissez simplement Dieu faire avancer les choses. Amen. Oui, monsieur. Quand ils sont venus, parce que Moïse avait parlé de lui, monsieur. Amen. Il a dit que quand il vient, dit, écoutez-les dans tout ce qu'il vous dira. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais c'est eux qui ont dit. Et toi, qu'en dis-tu? N'est-ce pas vrai? Donc l'écriture devait s'accomplir. Mon frère et ma soeur, quand nous laissons conduire par le Seigneur, ce que Dieu a dit de nous s'accomplit, frère. Et ça, dans le moindre détail. C'est pourquoi un fils de Dieu, une fille de Dieu, doit toujours rester toujours dans la paix, surtout dans la communion avec son Dieu. Amen. Quand tu es en communion avec ton Dieu, sois en paix. Amen. Parce que le Dieu en qui tu as placé ta confiance, il prend toutes choses sous son contrôle. Amen. Ne vous précipitez jamais à toujours vouloir faire les choses. Amen. Laissez simplement tranquille et laissez Dieu faire les choses effectivement pour les ramener, pour que vous puissiez voir le tableau. Dites, mais Seigneur, j'ai accompli ça sans me rendre compte, c'était ça. Amen. C'est comme ça qu'il est rapporté. Il dit, mais puisque vous me posez la question, mais toi, que dis-tu? Vous voulez que je vous parle maintenant, non? Ok. Alors, quand vous me posez la question, puisque vous êtes là avec des pierres, j'aime cet homme. Amen. Ah oui, frère. J'aime cet homme. C'est merveilleux. Il dit, mais puisque vous me posez la question, vous avez des pierres, vous? Déterminé à pouvoir réellement faire cela, n'est-ce pas? Oui. Alors, si quelqu'un parmi vous
Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Si quelqu'un, vous m'avez dit, mais et toi, quel es-tu? Amen. Vous êtes venu juste avant, vous voulez m'entendre ce que moi j'ai dit à propos? Il dit, mais alors, si quelqu'un, je n'ai pas dit, mais Moïse a été un faux. Non, 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 monsieur. Parce que c'est lui qui a fait appeler Moïse. Amen. C'est lui qui a donné la parole à Moïse. Amen. Moïse a fait la tâche que Dieu lui avait confiée. Alléluia. Amen. Et la révélation ne vient pas d'un homme. La révélation vient de Dieu. Amen. 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 Et ça, nous pouvons prêcher la parole. Mais celui qui touche le cœur, c'est pas l'homme. C'est Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui accomplit sa parole. C'est pas l'homme, c'est Dieu. Amen. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur suit toujours la parole. Amen. Si seulement la semence de Dieu est en vous, vous l'avez reçue, soyez-en sûrs et certains. Que l'Esprit, je le disais l'autre fois, je leur ai dit, la parole que vous recevez, si vous la croyez et que vous mettez à prier, le Saint-Esprit descend. Amen. Sur, après, vous voyez quand même, lorsque vous entrez dans cette dimension d'atmosphère spirituelle au travers des gens, qu'est-ce qui se passe? J'étais assis là, j'ai dit, Seigneur, ce sont des endroits que j'aime être. C'est vrai, vous ne le voyez pas, mais bon, les gens, oh, vous savez, c'est l'église, on chante trop, il faut qu'on soit sec. Non, monsieur. Il y a eu un temps, je disais, je parlais à mon frère, il y a eu un temps où c'était comme ça. Et quand le Saint-Esprit a pris dessus, non, monsieur, mon âme brûle de flamme parce que je veux. En fait, on se sent libre. Amen. De lui exprimer. Là, vous savez, l'époque, on chantait un peu comme des gens. C'est, maintenant, nous exprimons à Dieu l'amour que nous avons. Nous trouvons l'occasion de dire combien nous l'aimons et combien nous voulons nous sentir libres en lui. Mais c'est cela. Chaque véritable enfant de Dieu doit sentir cela en soi. Quand on chante, c'est Dieu, c'est ton âme à toi. Amen. Il exprime effectivement. Oui, il y aura des critiques, vous avez. Alors quand il a parlé effectivement en disant que si quelqu'un parmi vous, vous voulez accomplir, n'a jamais péché. Qu'il soit donc le premier pour jeter la pierre. Et puis il se trouve. Donc, on voit que même quand il était en train de pouvoir prêcher, vous vous souvenez encore ces paroles que nous aimons beaucoup, non? Et les gars vous disent effectivement, ben, il était là, mais on envoyait des gens pour chercher, pour l'arrêter. Il n'a rien fait. Il prêchait, effectivement, parce que le pharisien, le sadducéen aussi, il prêchait aussi. Mais quand lui entre en scène pour prêcher, ça crée des problèmes. On envoie les gardes, effectivement, pour pouvoir arrêter. Et quand les gardes deviennent, effectivement, comme vous le savez, alléluia. Les trouvant, effectivement, mon frère et ma soeur, toi, ma soeur, toi, mon frère, sois simplement sûr que tu fais ce que Dieu t'a destiné à faire. Alléluia. Quand tu es réellement dans ce que tu fais, que Dieu a voulu que tu fasses, personne ne va pas faire. Amen. Parce que tu dois accomplir la tâche pour laquelle Dieu t'a destiné. Amen. Et pourquoi tu dois t'efforcer par Seigneur, qu'est-ce que moi je suis censé pouvoir faire? C'est là l'importance de la prédication de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde, effectivement, que Dieu parle. Dieu te parle à toi. Dieu s'adresse à toi, dit, mais mon fils, voilà ce qu'il a dit. Ma fille, voilà ce qu'il a dit. Oh, j'avais pris une décision de faire ceci. Quand je suis arrivé dans la maison du Seigneur, Dieu m'a parlé. Amen. Ça, amen. Amen. Si Dieu ne m'avait pas parlé, j'allais faire une chose bizarre. Mais quand je suis venu, j'étais fasciné. Quand je sortirai, je vais faire ça, faire ça, faire ça. Et puis, Dieu me parle le mot à mon cœur. Ton voisin ne comprend pas, mais toi, tu comprends. Amen. Vous savez, même quand il parlait, je vais juste seulement une assertion. C'est-à-dire que je ne vais pas lui parler. Quand on lui a posé la question du divorce, vous avez dit dans Matthieu chapitre. Bon, je ne vais pas prêcher sur la divorce. Je ne vais pas entrer dedans. Juste vous montrer quelque chose. Pour que, quand vous lisez les Écritures, vous compreniez effectivement comment Dieu fait. Quand je vous dis. Ne faites jamais les choses en général. Surtout les cas de mariage. Dieu traite les cas d'une manière
particulière. Amen. Mais nous allons les canevas. C'est pas vrai? Juste lire pour vous, c'est bon. Regardez ceci. Matthieu 19. Donc, c'est ici. Matthieu 19. Ça va aussi. Verset 1 dit, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit le malade. Les pharisiens, ils ne sont pas toujours loin. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour les trouver. Vous voyez, cherchant toujours un moyen. Il dit, mais est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Comment t'as dit cela? Alors, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. La suite, il dit, que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais rentrer dans le détail de vous dire. J'aime Dieu et j'aime la parole de Dieu. Amen. Le maître dit mais, que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. Qu'est-ce que Dieu a joint? Vous l'avez entendu, non? Amen. Dans les jardins d'Éden, on est sûr, 100%. C'est vrai ou pas? Amen. Que c'est bien Dieu qui a uni Adam et Ève. C'est vrai quand même, non? Amen. Oh, je ne vais pas parler de prière. J'aime Dieu. C'est merveilleux. Alors, regardez, tu pourrais. Et puis, plus bas, dit ceci. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme de l'élégance et de la répudier? Et bien, il répondit, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement. Il n'en était pas ainsi. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons vraiment bien entendre, mais dit, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc il faut que le mariage soit conforme comme au commencement. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Regardez, je ne vais pas pousser l'oreille. Regardez ce soir. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui a l'épouse une autre commet l'adultère. Suivez? Amen. Quand les disciples ont entendu ses disciples lui dire, mais Seigneur, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, alors il n'est pas avantageux de se marier. Vous avez entendu ça? Maintenant, regardez la réponse qui vient. C'est là que je voulais que vous puissiez voir. Il dit, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen. Est-ce que vous avez saisi? Nous l'avons lu avec vous, mon frère et ma soeur, effectivement. Mais il dit, mais les personnes pour lesquelles les choses sont données, quand la chose vient, elles comprennent effectivement que ça, ça me concerne, ça, ça me concerne, tout n'est pas général. Amen. Vous n'avez pas saisi. Vous n'avez pas saisi. Regardez, je dis, je voulais que vous puissiez voir quelque chose. Et quand la parole de Dieu s'adresse à vous, ce que Dieu s'adresse en particulier à moi, et que la personne qui est à sa côté de toi peut aussi être là, et en fait, il n'arrive pas à pouvoir savoir de quoi il s'agit. Mais toi, qui est la personne concernée, alléluia, tu en reçois la compréhension, amen, de la chose. Alléluia. Il en est de même dans les cas de mariage pour certaines circonstances. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. J'ai dit, je parle maintenant. En fait, nous sautons simplement. Regardez, c'est pour que nous comprenons que Dieu est un Dieu qui a le monopole de pouvoir dire les choses de la manière à ce que ceux qui sont censés pouvoir
entendre et comprendre la chose, la comprennent de la manière dont Dieu a voulu qu'il soit comprise. Par une formule générale. On applique effectivement pour tout le monde, mais chacun reçoit effectivement la portion que Dieu donne. Amen. Donc, rappelons ce que nous disons. Effectivement. Donc, nous remarquons que le Seigneur, si Dieu le permet un jour que je puisse rentrer dans cela, effectivement. Voyez-vous, nous avons dans nos pensées, effectivement, en tant qu'homme, effectivement, aussi en tant que tradition, nous avons effectivement beaucoup de choses qui sont contraires à la parole. Bon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, juste une illustration, quand vous écoutiez cet homme de Dieu, William Branham, à propos de mariage et divorce, si vous l'écoutez très bien, il y a quand même trois autres. Il dit, mais la position de l'unique, quand vous êtes mort, ce côté-ci, vous êtes un faux. Ce côté-là aussi, un faux. Il faut être dans le milieu. Hein, regardez comment il me regarde. Pour moi, c'est la langue. Quand tous ces sujets-là, c'est pourquoi ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Prêcher le mariage, parce qu'en fait, il faut une grâce de Dieu pour que Dieu te montre. Sinon, vous allez faire n'importe quoi en France, mettre les uns en prison, les autres, effectivement, comme vous. Non, il faut que les choses soient équilibrées. C'est pas que tout le monde qui peut lire la brochure, il va passer et dire, mais j'ai compris. S'ils avaient compris, on n'aurait pas tous ces débats. On a. Il y a, s'il vous plaît, frère et soeur, il y a des sujets pour lesquels on ne peut pas arriver à pouvoir entrer n'importe où. Il faut la grâce de Dieu, que Dieu t'éclaire effectivement avec sa pensée, pour que tu voies, que tu comprennes. Oui, en voilà, effectivement, avec ses pensées. Mais en fait, il a fallu que Dieu le prenne pour lui montrer que là, ce n'est pas le bon, là, ce n'est pas le bon, ce qui est bon. Si je vous dis certaines choses, je vous dis que je frère, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est conforme, c'est ce que Dieu l'a dit. Parce que Dieu que nous servons est le Dieu de sa parole. Amen. Dieu n'a jamais emprisonné quelqu'un. Maintenant, vous comprenez? Amen. Dieu, l'évangile n'est pas venu pour nous emprisonner. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est venu pour proclamer quoi? Il est devenu captif, non? N'est-ce pas vrai? Amen. C'est ce qu'il est, non? Il n'y a pas d'esclavage. Hein? C'est la vérité. Ce sont les hommes qui, par un mauvais entendement, compréhension des choses, ils embrident les gens dans ce qu'on appelle la prison. Mais Dieu est venu pour ouvrir les prisons. Amen. Oui, messieurs, en Christ, nous avons la liberté. Vous savez, quand l'apôtre Paul disait, mais il n'avait pas de circoncision, et pourtant la circoncision était dans la Bible. Dieu vivait contre elle, il n'était pas contre cette écriture. Dieu lui a donné de pouvoir voir. Il a dit à Pierre, non, ce que moi je vous ai comme pur, toi ne vas pas comme un peu. Alors, voyons que dans les saintes écritures, et comment le pharisien, le Seigneur, le suivait toujours, traverait partout où il allait, effectivement, alors que lui, il créait des problèmes pour personne. Jusqu'à ce que, même à un certain moment, ils sont même venus avec des pierres pour lancer des pierres et les éteindre. Vous vous souvenez encore? Et ils ont tout fait, effectivement, jusqu'à ce que, je crois que c'est dans le livre de Luc, quelque part, effectivement, aussi, qu'il lisait avec ses disciples pendant Pâques. Il a dit une parole. Il a dit une parole qui était très touchante. Regardez, ils ont avec vous dans Luc. Et pendant ce temps-là, il était assis avec eux. Dans Luc, je pense, au chapitre 22. Bien, chapitre 22. Luc, chapitre 2. Nous allons lire un peu. Dit le jour de pain sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva, Jésus envoya Pierre et Jean en disant allez vous préparer la Pâque
afin que nous la mangions. Ils lui dirent, mais où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Vous voyez? Amen. Cet homme était un homme que Dieu avait déjà prédestiné depuis longtemps. Pour que quand le maître viendrait, ce soit dans le lieu dans lequel lui se trouve. Et la Pâque soit mangée. Il ne les savait pas. Voyez-vous, quand Dieu vous a destiné à quelque chose, et que la parole vient à propos, vous ne laisserez pas la parole. Amen. Parce qu'au-dedans de vous, la place pour la parole, elle était prévue. Elle est proclamée, vous la recevez, elle entre et vous la mettez en pratique. Sans discuter. Verset 3. Et vous dira où est au maître de la maison, le maître qui dit où est l'année où je mangerai la Pâque avec les siens. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Verset 14. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Vous avez remarqué? Il est venu, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, écoutez très bien, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Donc, c'était un moment particulier qu'il avait avec ses disciples. Il a dit, mais j'ai soupiré tant pour avoir ce temps et manger avec vous avant de souffrir. Donc, il annonçait déjà à l'avance ce qui allait se passer effectivement à Jérusalem, en réalité, avec le principal sacrificateur, mais aussi effectivement avec la crucifixion qui allait avoir lieu, parce qu'il produit, il dit ceci, car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant donc pris la coupe, une coupe, il rendit grâce et dit, prenez donc ce coupe, ainsi, ainsi, ainsi. Donc, nous remarquons effectivement que le Seigneur, il savait en réalité ce qui allait se passer avec lui, et comme nous l'avons dit, il ne faisait rien de mal. Il ne faisait simplement que prêcher la parole de Dieu et annoncer. Mais non, pourquoi toutes ces souffrances, effectivement. Pourquoi il était censé pouvoir souffrir sur la terre avant d'arriver à la croix? Parce qu'on a dit, homme de douleur habitué à la souffrance. Écoutez très bien. Pourquoi? Alors qu'il venait de Dieu, monsieur. Tout ce qu'il faisait était du bien. Mais sur la terre, les saintes écritures nous montrent qu'il était un homme de douleur habitué à la souffrance. Pourquoi? Nous l'avons lu avec vous, nous l'avons cité avec vous ici, quand il a prié dans Jean 17. Qu'est-ce qu'il a dit à ses propres disciples? Il dit, mais vous aurez des tribulations. Vous vous souvenez? Nous l'avons lu avec vous l'autre fois. Regardez ceci, frères et sœurs. Pourquoi souffrait-il? En fait, il souffrait effectivement parce qu'il était la semence de Dieu, la parole pure de Dieu. Puisqu'il était la parole pure de Dieu, donc effectivement que toute sa vie entière sur la terre, est-ce que vous me suivez? Amen. Puisqu'il était la parole de Dieu, toute sa vie entière sur la terre, était une vie de souffrance. Du fait qu'il était la parole de Dieu. Mais si toi aujourd'hui, toi, tu étais un païen et que tu deviens aujourd'hui un chrétien, un coin, comment l'es-tu devenu? Mais c'est parce que tu as reçu quelque chose qui vient de Dieu. Amen. Pour être transformé, être un véritable fils de Dieu, il faut la sémence pure de Dieu. Amen. Autrement, tu es simplement un religieux, un membre d'une église. Mais quand tu deviens un fils de Dieu, sache que dès que tu es né de Dieu, la souffrance s'attache à toi. Amen. Les épreuves s'attachent à toi. Amen. Tu es né de Dieu,
mais tu es né pour souffrir. Amen. Donc, chaque véritable enfant de Dieu qui naît de Dieu, la souffrance, les douleurs et les épreuves sont attachées à lui. Amen. C'est pourquoi on dit que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé jusqu'au jour de votre retour. Rédemption. 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 Tout au long de la vie d'un véritable fils et fille de Dieu qui a reçu la parole pure de Dieu, sa vie à lui devient une vie de souffrance, une vie de douleur, une vie de preuve, effectivement. La vie sur la terre. Et vous suivez? Regardez. Donc, Thessaloniciens, l'apôtre Paul, il a dit ici, Dieu est fondamental. Regardez. Il s'est né. Verset 3 dit, nous devons rendre, frères, devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès, et que l'amour de Dieu, l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Il n'y a que la parole de Dieu qui produit l'amour de notre cœur. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Bien sûr, c'est écrit dans le Pierre. Alors, il dit, aussi, nous nous glorifions, nous, de vous dans les églises, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Il dit que les persécutions et les afflictions, effectivement, ça fait partie, effectivement, du peuple de Dieu, de ceux qui ont réellement reçu la pure sémence de Dieu. Mais regardez une chose qui est merveilleuse. Cet homme de Dieu dit ici, il dit nous nous glorifions de vous dans les églises à cause de votre persévérance. Il dit que il y a des persécutions, il y a des souffrances, des épreuves pour un fils de Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est que il persévère dans le Seigneur. Amen. Malgré, parce que, écoutez s'il vous plaît, parce que les souffrances que toi tu as, puisque tu es né de Dieu, mais tu es un homme sur la terre. La haine, les insultes, les rejets. Alors, ce qui fait mal, c'est parce que tu ne fais rien de mal aux gens. Amen. Tu ne fais que du bien aux gens. Mais toi qui fais du bien aux gens, toi, parce que quand tu es né de Dieu, ce qui est mauvais de toi s'en va. Amen. Parce que maintenant, même si tu as le désir de faire du mal à quelqu'un, c'est difficile que tu l'accomplisses. Puisque ce qui donnait la force de faire du mal en toi a été ôté. La colère peut venir, mais l'acte ne va pas suivre. Amen. Oui, monsieur, j'ai envie, et puis tu sens que c'est pas fait. Pourquoi? Parce que la chose qu'il voulait faire n'est plus en toi. Amen. Amen. Alors toi qui fais du bien, tu as beau faire du bien, tu as beau chanter pour eux, tu as beau cirer les chaussures pour eux, tu as beau mettre l'huile sur eux, effectivement. Mais finalement, c'est des coups que tu reçois. C'est des insultes que tu reçois. Les rejets, les mauvaises paroles. On te critique pour ma soeur partout. On fait partout, effectivement. Qu'est-ce qui va se passer en tant que homme? C'est des larmes. Amen. Mais c'est pas possible, Seigneur. Moi, je fais toujours du bien et c'est toujours le mal qui me paye. Alors, vaut mieux autant ne pas faire le bien. Mais c'est sûr et certain. Mais si je fais le bien, ils m'insultent. Même les gens pour qui je fais du bien, je pleure, ils me font du mal. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Vaut mieux que je ne fasse rien. Voilà là où la persévérance est un bien. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les rejets, moi je persévère à faire toujours le bien. Soi-disant. Parce que le soi-disant, le découragement vient vite. Mais le véritable, effectivement, il y a la persévérance qui prend le relais. Tu entends la magie, mon fils, ma fille, par courage, continue la marche. C'est ce que le Seigneur a dit. Amen. Parce que sans ça, il dit, mais puisque
Donc, après ces trois fois, Apocalypse au chapitre 3, il dit ceci, verset 9, il dit, voici, après ces trois versets, il dit, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. C'est à toi que Dieu s'adresse. Amen. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Amen. Donc, s'il n'y avait pas cette parole de la persévérance en toi, tu aurais abandonné. Amen. Mais puisque tu as reçu la semence véritable, mon frère, pourquoi? Parce que cette semence, effectivement, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Regardez ce qu'il dit à ses propres disciples, mon frère. Il dit, mais j'ai désiré effectivement manger ça avec vous. Mais avec, mais à ceux à qui il parle, effectivement, ce sont ses disciples. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Judas n'était plus là. Amen. Oui, monsieur. Amen. Judas n'était plus là. Puisque, regarde ce qu'il leur a dit. Luc 22, je pense. Je pense que c'est 22. 22, hein? J'avons lu chapitre 22, qu'est-ce que la Bible, je pense que c'est ça. Luc 22, verset 14, dit, mais l'heure est venue, et l'heure étant venue, et il s'est mis donc à table, et les apôtres avec lui. Je crois avoir lu cette écriture une fois, quand je voulais que vous puissiez voir que Judas Iscariote n'était plus là. Vous vous souvenez? Amen. Jean 13. Vous vous souvenez encore? Amen. Quand vous avez quand même. Alors il dit, l'heure étant venue, il s'est mis à table, les apôtres avaient dit, et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette pâte avec vous avant de souffrir. Car, je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, regardez très bien. Ici, au verset 21, il dit, cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Il dit, le fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et il commençait effectivement, c'est demandant les anges, il s'éleva aussi par les apôtres une contestation, lesquels d'entre eux devaient être estimés plus rares. Voilà, verset 28, il dit, non, verset 28, le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit, ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Verset 28 dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Amen. Vous voyez ça? Amen. Il regarde effectivement ses disciples et dit, mais vous êtes de ceux là qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, parce que c'est pas, quand il passe des épreuves, c'était pas qu'il était ressuscité, qu'il était crucifié, non, avant la crucifixion. Amen. Donc, tous ces temps qu'il passait, effectivement, les imprévisibles, ces disciples-là étaient accrochés et attachés à lui. Et si vous voyez, effectivement, chacun d'eux avait la révélation de qui était ce Jésus. Amen. Amen. Sur et certain. Philippe l'avait dit, non? Amen. Nous avons trouvé de qui le prophète parlait. Vous vous souvenez? Amen. Donc, effectivement, il dit, mais vous êtes ceux qui avez persévéré. Je veux dire, et ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est une grâce, frère. Amen. Et de pouvoir avoir des frères et des sœurs dans votre épreuve. Amen. Et oui, messieurs, madame. Amen. Que ça aille, ça bouge à gauche, ils sont avec vous. Amen. Ça va à droite, ils sont avec vous. Amen. Ça monte en haut, ils sont avec vous. Amen. Ça descend, ils sont avec vous. Amen. Ce sont ceux-là que Dieu vous a donnés. Amen. Amen. Quand Dieu vous les donne, ils sont aussi accrochés à vous. Amen. Dans les bons, comme dans les mauvais, amen, ils sont. Mais c'est ici. Amen. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi, ou c'est dans mes épreuves. Amen. Et puis il continue. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, amen, comme mon Père en a disposé aussi à ma faveur, amen, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, amen, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Frère et ma soeur, quand Dieu a été tellement merveilleux, frère et soeur, amen,
C'est une grâce, mon frère, que nous avons lorsque nous traversons des épreuves. Quand vous nous accrochez davantage à marcher avec le Seigneur, à faire toujours ce que Dieu attend de tout un chacun en tant que fils et fille. Mais quelle consolation le Seigneur avait. Vous vous souvenez, quand il regardait les disciples, effectivement, il dit, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Donc il n'y a pas de hasard. Alléluia. Donc je savais qui vous étiez. Et au travers des épreuves qui passaient, ils étaient toujours avec vous. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. La récompense, elle est grande. Parce qu'effectivement, dans la marche, oui, mon frère et ma soeur, la récompense, elle est grande. Et chaque enfant de Dieu que nous sommes, mon frère et ma soeur, comme vont entendre cette écriture, nous devons réaliser une chose que le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas un autre endroit. Amen. Les difficultés, frères et sœurs, les épreuves, nous les aurons. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, en tant que fils et fille de Dieu. Je veux que vous compreniez ça. Les difficultés, les épreuves, dans votre marche, dans votre travail, à différents endroits où vous vous trouvez, parce que vous êtes fils et fille de Dieu, vous avez la semence de Dieu en vous, les épreuves, les difficultés, les afflictions, nous aurons tout au long de notre marche. Mais il y a une chose dont nous devons être certains, que ces épreuves, ces difficultés, toutes ces choses vont certainement arriver. Mais regardez, frères et sœurs, nous devons être armés en nous-mêmes. Amen. Ne pas s'attendre effectivement que non, nous sommes des chrétiens, tout va très vite. Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Ça n'est pas arrivé. Si, monsieur. Si, madame. Mais c'est parce que tu es un fils de Dieu. Amen. Tu es une fille de Dieu, ceci doit t'arriver. Amen. Si tu ne l'étais pas, ça ne devait pas t'arriver. Mais puisque tu l'es, Amen, ça doit t'arriver. Et quand ça t'arrive, toi, tu sais qu'en fait, que, puisque lui, il était né homme de douleur, habité à la souffrance, puisque c'était abandonné, moi aussi, Amen, de la même manière que lui, il est, puisque si je souffre comme ça, j'ai connu avec vous, je pense, Amen, que c'est une grâce. Amen. De croire. Non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Amen. 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 Et cela montre effectivement que tu es un fils de Dieu. Amen. Tu es une fille de Dieu. Amen. Quand effectivement dans ta main, dans ton combat, effectivement dans ta marche avec Dieu, effectivement, il y a toujours des combats. Tu as des difficultés, effectivement. Et ne dis pas Dieu m'a rejeté. Non, monsieur. Alléluia. C'est là aussi un signe que Dieu est avec toi. Amen. Aussi longtemps que tu accroches à Dieu, les difficultés viendront. Les combats viendront. Les épreuves viendront, effectivement. Mais il y a une chose que toi, tu dois être certain. Amen. Que ces épreuves, ces difficultés, ces combats ne sont pas destinés à quoi te mettre dans le trou. Non. Non, monsieur. Mais qui a été poussé davantage plus haut dans les choses de Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul a dit effectivement que dans toutes ces choses, Amen. Et là, tu comprends, dans toutes ces choses, Amen, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Donc le poids reviendra, oui, la maladie viendra, les difficultés viendront. Mais dans tout cela, tout ça part avec toi. Alléluia. Pourquoi, mon frère? Parce que tout ce qui est né de Dieu, Dieu, sans que nous sommes frères, et la victoire que Dieu a laissé, c'est notre foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, prenez courage, mon frère. Prenez courage, ma soeur. Parce que l'éternel est vivant.